Bonjour, bonsoir les amis. Alors j'ai la voix un peu enrouée, c'est pas grave. J'ai attrapé la crève, mais je fais des vidéos quand même pour vous. Alors, bon, je pense que cette question vous allez sans doute me la poser, donc je me suis dit, allez, je vais y répondre à la vidéo. Tammy, est-ce que, je sais pas moi, la Russie, est-ce que c'est un choc culturel? Est-ce que c'est différent? Ou est-ce que c'est comme finalement chez nous? Alors, moi, les Russes, je les ai pas beaucoup côtoyés. Hein. Encore une fois, on peut pas maîtriser un pays en quelques jours. Mais bon, il y a quand même des clichés. Ils sourient pas beaucoup. Ils sont assez sérieux. Bah oui, ça se confirme. Hein. Regardez autour de moi, ça sourit pas beaucoup. Hein. Et c'est vrai qu'ils sont super sérieux. Maintenant, ils sont super serviables. C'est-à-dire, j'ai posé la question à plusieurs personnes. Alors, ils se débrouillent pas super bien en anglais. Je suis un peu étonné, mais bon, en même temps, voilà, ils n'ont pas forcément besoin. On est quand même dans un autre monde. En fait, c'est entre la modernité et on sent que c'est un pays qui est en train de se développer, qui est un pays émergent. Il y a des points qui m'ont marqué, par exemple l'aéroport. Je l'ai trouvé, notamment la douane, j'ai trouvé quasiment archaïque. Alors que quand, par exemple, je sais pas, moi je suis allé dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong, les aéroports étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus sophistiqués. Bon, je sais pas, je pense que... Donc en fait, ici, et les taxis ici qui sont... Mais ça je l'ai vu également à Hong Kong. Hein. Des taxis déglingués, bon, ça me choque pas trop. Ça dépend de la politique qui est menée dans le pays. Même à New York, les taxis étaient déglingués. On sent également que, voilà, que c'est un pays nouveau. C'est un pays, quand je dis nouveau, c'est pas par la culture, c'est pas par l'histoire. C'est le capitalisme. On sent que, voilà, on est encore un peu dans l'ère soviétique. On le voit dans les magasins, on voit comment c'est organisé, etc. C'est pas du tout, je sais pas moi, comme ce qu'il y a à Dubaï, comme aux États-Unis, en Europe, même dans d'autres pays, même les pays asiatiques. On sent que ça, ils commencent à rentrer dedans. Mais c'est vraiment une expérience, c'est-à-dire, là j'étais dans une pharmacie et ben, ils sont gentils, mais ils sourient pas. Dans les magasins, ils sourient pas. Par exemple, il y a quelqu'un, il est venu, m'a touché, moi je lui ai souri. Et lui m'a regardé. Genre, pourquoi il sourit lui? C'est bizarre, c'est suspect, pourquoi il sourit? Donc c'est vraiment incroyable. Et on voit bien qu'on parle des pays latins, je sais pas moi, vous allez dans des pays latins, bon, les gens, vous les voyez dans la rue, ils ont la pêche, ils ont la banane, et là, rien à voir. Donc c'est super intéressant comme expérience. Après, la ville en elle-même, je vous l'ai dit, hein, elle est magnifique, c'est propre. Sécurisé, je n'ai pas vu de danger, j'ai pas vu de... Alors peut-être que dans quelques minutes on va me voler ma GoPro, je vous dirai, ah, mais vous n'aurez pas la vidéo. Moi j'ai trouvé que c'était sécurisé, c'était agréable. C'est encore, par exemple les taxis, j'ai galéré comme pas possible pour avoir un taxi et j'en ai pas eu. Et puis je leur disais voilà, je veux aller dans tel endroit, ils me disaient non. Donc ici, voilà, pour ceux qui veulent à Vienne, à Moscou, prenez, s'il vous plaît, l'erreur que j'ai faite. Un truc, une carte SIM sur place, Uber, et basta, quoi. Comme ça, vous êtes tranquille. Bon, voilà, c'est vrai que je voyage beaucoup. Mais on fait toujours, je fais toujours cette erreur, ou du moins là, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, mais sinon, c'est une expérience à faire. C'est un autre monde. C'est incroyable. Moi j'adore voyager parce que ça me permet de rencontrer d'autres cultures. Ça me permet de confronter aux autres. Ça me permet de voir comment ils vivent, comment ils pensent. De ne pas être enfermé finalement dans une seule vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité. Il y a chacun sa culture, chacun sa manière de voir les choses. Et moi, pourquoi j'aime Dubaï, je l'ai déjà dit, c'est parce que justement je suis confronté à toutes ces cultures. Au quotidien, bon, les Russes à Dubaï, ils sourient plus. C'est vrai, hein, je rigole pas. Ils sourient plus parce qu'il y en a beaucoup. Hein, il y a une grosse communauté.
Mais Moscou, vous voyez, hein, moi je le fais exprès. Hein. Je fais exprès, regardez derrière moi, regardez autour de moi. Et vous allez voir, vous allez constater, je suis le seul à sourire, hein, je pense. Bon les amis, voilà. Donc choc culturel, non, pas vraiment. Mais c'est clairement un autre pays, une autre manière de voir les choses. Et c'est vrai que les gens, voilà, leur comportement, leur manière d'être, le business, les taxes, tout est différent ici. Tout est différent, c'est assez marrant. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.